Bonjour à vous, maniaques de style. Vous regardez Parlons Tech avec Chad et je suis votre animateur, Chad Dubois. Nous revoici à cette période de l'année, chers amis. L'hiver est à nos portes et c'est maintenant que vos outils style entrent en hibernation. Je vais vous donner quelques trucs pour bien entreposer vos unités en vue du printemps. La première chose à faire est de vider le réservoir à essence. Un carburant ordinaire laissé dans votre réservoir peut endommager vos joints de caoutchouc et s'éventer rapidement. Si vous utilisez ce même carburant au printemps, vous pouvez sérieusement endommager votre moteur. Pour vider le réservoir, laissez fonctionner l'unité au ralenti, jusqu'à sec et jusqu'à ce que le moteur s'arrête. Par contre, si vous utilisez le carburant pré-mélangé style Motomix, vous pouvez le laisser dans votre réservoir parce qu'il ne contient pas d'éthanol, ce qui réduit l'absorption de l'eau. Il contient un stabilisateur de carburant, ce qui lui donne une durée de vie de 2 ans. Un autre truc pour préserver votre moteur durant l'hiver, si vous avez l'habitude d'utiliser carburant mélangé, est d'abord de laisser fonctionner l'unité au ralenti jusqu'à sec et jusqu'à ce que le moteur s'arrête. Puis, ajoutez du style Motomix dans le réservoir et faites fonctionner le moteur quelques minutes pour vous assurer que le mélange se rende au carburateur et aux conduites de carburant. Cela va protéger votre moteur et empêcher le carburateur de s'essécher. En faisant ça, vous n'avez pas à faire tourner le moteur jusqu'à ce qu'il tombe en panne d'essence parce que le style Motomix peut rester dans le réservoir de carburant tout l'hiver sans risquer d'endommager votre machine. Assurez-vous de bien nettoyer votre outil style. Cela inclut le filtre à air, la bougie et les aillettes du cylindre. Les pièces de métal mobile doivent être légèrement lubrifiées avec de l'huile. Si vous ne vous sentez pas à l'aise de le faire vous-même, votre détaillant style peut facilement le faire pour vous. Finalement, assurez-vous d'entreposer vos outils style dans un endroit sec et sans risque de givre si possible. En suivant ces conseils, vous serez certain de pouvoir utiliser votre unité dès le retour du printemps. N'oubliez pas que les produits style ne sont pas vendus dans les magasins à grande surface. Vous les trouverez uniquement chez votre détaillant indépendant style où des employés qualifiés et techniciens experts vous attendent pour vous montrer comment utiliser votre nouvel outil style et vous fournir les accessoires et pièces de rechange pour que vous ne soyez jamais pris au dépourvu. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui et n'oubliez pas d'aller voir mes autres vidéos sur la chaîne YouTube de Style Canada en inscrivant #TCWChad. Mon nom est Chad Dubois et c'était Parlons Tech avec Chad. À la prochaine!